à l'agenda des carrières de Scoufflini. J'exhumais un vieil agenda datant de l'année 1962 au fond d'une bibliothèque. L'agenda a la particularité d'avoir appartenu à un employé des carrières de Scoufflini. La pierre bleue fournissait alors du travail à quelque 10 000 personnes, pouvait-on y lire. La pierre exploitée par les carrières de Scoufflini est sans contredit de tous les matériaux celui qui convient le mieux à notre climat. N'absorbant pas l'eau, elle n'est pas gélive et résiste à toutes les intempéries. Sa teinte claire, uniforme, sa texture cristalline sont d'une grande beauté. J'ai par bonheur retrouvé une photo qui doit vraisemblablement dater de la même époque à quelques années près. On y reconnaît, assis derrière son bureau, mon grand-père, David Derum, qui s'occupait de la comptabilité et des salaires aux carrières. Il est entouré de Jules Bougard, à gauche, et José Lefebvre,